Même si vous n'avez jamais entendu parler d'IVC VPN, un simple coup à ces forfaits pourrait suffire à éveiller votre intérêt. IVC VPN est-il la solution à prix abordable que vous recherchez? Avec cet avis sur IVC VPN, je vais me plonger dans les fonctionnalités les plus importantes d'IVC pour vous aider à prendre une décision réfléchie. Et si vous trouvez ce genre de contenu utile, abonnez-vous à la chaîne pour des analyses de VPN plus approfondies. Et si vous avez déjà essayé IVC VPN, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis d'entendre d'autres avis à ce sujet. IVC VPN n'est peut-être pas le VPN le plus populaire du marché, mais il est certainement parmi les plus abordables du marché des VPN. Mais je sais que le prix ne fait pas tout, il faut aussi savoir quel service il peut vous rendre avant de dépenser votre argent. Peut-être que la dépense n'est pas justifiée. Alors, commençons. Lorsque vous choisissez un VPN, l'une des choses les plus importantes à prendre en compte est la confidentialité. Que vaut IVC VPN en la matière? Il est basé à Singapour, qui n'est membre d'aucune alliance de partage de renseignements. Cependant, Singapour est un partenaire de certains des pays de l'alliance Fortinet. Donc, dans certains cas particuliers, votre vie privée pourrait être compromise. Heureusement, IVC VPN a une politique de non-journalisation. Selon leur politique de confidentialité, l'entreprise n'enregistre pas ni ne surveille les activités de navigation en ligne, les journaux de connexion, l'IP assigné du VPN, les adresses IP d'origine, l'historique de navigation, le trafic sortant, les temps de connexion, les données auxquelles vous avez accès et les requêtes DNS générales de votre côté. Ainsi, même si le gouvernement demandait des journaux de votre activité, IVC n'aura rien à fournir. Par ailleurs, IVC VPN permet les paiements anonymes via crypto-monnaie, donc vous pouvez passer complètement incognito quand vous utilisez le service. Il est donc évident que vos données ne seront pas enregistrées, mais est-ce que le service est suffisamment sécurisé pour être utilisé en 2021? La réponse est oui. IVC VPN offre de nombreuses fonctionnalités de sécurité qui rendent son utilisation très sûre. IVC VPN utilise un chiffrement de qualité militaire, AES 256, qui est quasiment inviolable. Ce chiffrement est pris en charge par tous les protocoles disponibles, OpenVPN, IKEA-EV2 et L2TP. Malheureusement, IVC VPN ne dispose pas actuellement du protocole WireGuard. Et oui, il y a un kill switch que vous pouvez activer dans le menu Paramètres. Mais malheureusement, la fonction kill switch n'est pas disponible sur les appareils iOS et macOS. Donc, si vous utilisez un appareil Apple, vous devez garder ça à l'esprit. Point positif, IVC VPN offre une protection contre les fuites IPv6, DNS ou WebRTC. Il offre également le split tunneling, une protection contre les attaques DDoS et une fonction de téléchargement sécurisée qui protège votre appareil contre les fichiers malveillants. Vous pouvez également configurer le service pour utiliser Tor sur le VPN si vous arrivez à comprendre les instructions assez vagues. IVC VPN prend également en charge le multi-hop, vous permettant d'acheminer votre connexion via plusieurs serveurs VPN. L'aspect sécurité a été abordé. Quelle est la prochaine étape? Les performances. En matière de vitesse, IVC VPN se comporte relativement bien. Pendant mes tests, j'ai trouvé que les vitesses étaient adaptées au streaming. Les vitesses de téléchargement étaient correctes et le ping était assez bas dans les emplacements les plus populaires. IVC VPN dispose d'un nombre respectable de serveurs, avec plus de 3500 serveurs, répartis sur plus de 100 emplacements dans plus de 50 pays. Vous devriez donc toujours être en mesure de trouver un serveur sans aucune saturation du trafic. Si vous cherchez à contourner les restrictions géographiques sur des services de streaming, comme Netflix, IVC VPN est à la hauteur de la tâche. J'ai pu facilement débloquer la bibliothèque Netflix US en me connectant à un serveur de streaming dédié, mais je n'ai pas pu accéder à d'autres bibliothèques Netflix. IVC VPN fournit également des serveurs de streaming dédiés pour d'autres services de streaming dont BBC iPlayer, Disney+, HBO et Amazon Prime Video. Vous pouvez donc accéder facilement à vos émissions et films préférés des catalogues à l'étranger. Et comme IVC VPN offre de bonnes vitesses, regarder une vidéo en streaming est une expérience agréable, sans latence. Pour ce qui est du torrenting et du trafic P2P, IVC VPN répond également présent. Le service offre des serveurs optimisés pour le P2P dans tous les pays disponibles. Et comme nous l'avons déjà vu, IVC VPN offre des fonctions de sécurité robustes, incluant un kill switch, le split tunneling et une protection intégrée contre les logiciels malveillants. Il est donc très sûr pour le torrenting. Par contre, IVC VPN ne dispose pas de proxy SOX 5 gratuit. Néanmoins, j'ai trouvé que c'était une excellente solution pour le torrenting. IVC VPN est compatible avec une grande variété d'appareils sur différentes plateformes. Il a des applis pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android, ainsi que des applis pour Android TV et Fire TV. Il existe également des extensions de navigateurs pour Chrome, Edge et Firefox.
Donc Ivacy VPN est sans doute compatible avec votre appareil et vous pouvez utiliser jusqu'à 10 appareils simultanément avec un seul compte. Les applis d'Ivacy VPN sont faciles à utiliser pour les débutants. Pour se connecter à un serveur, il suffit de cliquer sur le bouton de démarrage sur l'écran Smart Connect. Si vous voulez vous connecter à un serveur spécifique, vous pouvez sélectionner un emplacement dans le menu déroulant. Les applis Windows et macOS sont similaires, mais il y a quelques différences dont vous devez avoir conscience. Le service macOS manque de plusieurs fonctionnalités qui sont disponibles sur la version Windows. Par exemple, le kill switch est absent sur macOS. Vous ne trouverez pas non plus le split tunneling, le menu de sélection de protocoles et la fonction multiport. Quoi d'autre ? Le service macOS propose uniquement le protocole L2TP. Cette disparité dans les fonctionnalités est également présente sur les applis mobiles d'Ivacy VPN. Le kill switch, le multiport et la fonction de split tunneling sont tous absents de l'appli iOS. L'appli Android offre le protocole OpenVPN, tandis que le service iOS offre les protocoles IKEv2 et IPsec. Les extensions de navigateur sont faciles à mettre en place et à utiliser et permettent un accès rapide à Netflix et d'autres options de streaming. Vous pouvez également installer Ivacy VPN sur d'autres appareils, y compris Raspberry Pi, les appareils Roku et routeurs. Vous trouverez des guides détaillés utiles dans la section d'assistance de leur site internet. En parlant d'assistance, Ivacy VPN offre plusieurs options différentes, y compris un chat en direct 24h sur 24 et 7 jours sur 7, un système de tickets d'assistance 24h sur 24 et 7 jours sur 7, une importante foire aux questions et une base de connaissances. J'ai trouvé que les réponses dans la fenêtre du chat en direct étaient assez rapides et utiles. La base de connaissances de la section FAQ contient beaucoup de contenu utile. Cependant, certains articles pourraient être plus détaillés. Globalement, Ivacy VPN offre une assistance clientèle correcte qui devrait convenir parfaitement à la plupart des utilisateurs. Le prix d'Ivacy VPN est l'une des raisons les plus convaincantes de l'envisager sérieusement. Vous pouvez obtenir le service complet à un prix très avantageux si vous savez où chercher. Sur le site web d'Ivacy VPN, vous trouverez le forfait mensuel qui coûte moins de 10$ par mois, ainsi que les forfaits annuels et sur 2 ans qui coûtent respectivement moins de 4 et 3$ par mois. Cependant, quand vous naviguez sur le site, vous pouvez recevoir une pop-up avec l'une des meilleures offres que vous trouverez, un forfait de 5 ans pour moins $1.50 par mois. Ivacy offre une garantie de remboursement de 30 jours pour tous les forfaits, sauf pour le plan mensuel, qui est accompagné d'une garantie de remboursement de 7 jours. Il n'y a pas de forfait gratuit, mais vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit d'un jour. Ivacy propose de nombreuses méthodes de paiement, y compris par carte de crédit, PayPal, BitPay, Perfect Money, entre autres. Alors, faut-il choisir Ivacy VPN en 2021 ? Sans aucun doute, la liste de ses avantages est longue et convaincante. Ivacy VPN offre une excellente sécurité et des vitesses rapides, une bonne sélection de serveurs, une politique no logs stricte et des forfaits abordables. Il débloque Netflix US et d'autres plateformes de streaming et fonctionne très bien pour le torrenting. Les applis sont faciles à utiliser et fonctionnent bien. Cependant, si vous utilisez un appareil fonctionnant sous macOS ou iOS, vous devriez chercher ailleurs en raison de l'absence de fonctionnalités importantes sur ces systèmes d'exploitation. Globalement, Ivacy VPN est un excellent choix pour les utilisateurs débutants et intermédiaires de VPN. Même s'il n'est pas aussi rapide ou fiable que les leaders du marché comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, je pense qu'Ivacy VPN vaut le coup si vous cherchez une alternative abordable aux meilleurs services VPN. Si vous avez apprécié mon analyse d'Ivacy VPN, mettez un like à cette vidéo et laissez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus de consulter les dernières offres sur les VPN dans la description ci-dessous et abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'avis et de tutoriels.